Alors, ce que ça a changé pour moi, je peux dire, premièrement, c'est de faire partie d'un groupe qui est resté très actif après le programme Emerging Leaders, qui échange énormément d'idées, où il y a, on va dire, un processus de cross-fertilisation dans les projets, dans ce qui marche bien ailleurs, qui, moi, m'enrichit quasi quotidiennement. Donc, je crois que la plus grande réussite que je tire du programme de l'année passée, c'est ce réseau de jeunes leaders et d'emerging leaders et notre capacité à coproduire certains projets ou à s'enrichir mutuellement dans nos réflexions. Je crois que pour moi, c'est le principal. Alors, c'était un rôle plutôt passif. J'ai bien aimé observer leur façon de voir les choses, leur façon de co-construire. J'ai participé à la session où ils essayaient de donner des pistes sur comment améliorer l'offre éducative de l'université Mohamed VI Polytechnique. La richesse des échanges et des contributions, la différence de prisme d'analyse fait que c'est juste incroyable quand on réunit quatre côtes de l'Atlantique et des jeunes de ce calibre-là, même en tant que, on va dire, acteur passif, c'est juste plutôt intéressant. Et donc voilà, j'ai vraiment pris plaisir à les entendre, mais j'ai pas joué de rôle actif. Alors, je crois que ça a été pour moi, on va dire, le clou de l'année. Hein. Ça a vraiment été pour moi quelque chose de merveilleux de pouvoir d'abord, un, réfléchir sur un enjeu de l'heure, puisque tout le monde en parle, on ne sait pas très bien où se positionner. Deuxièmement, réussir à coécrire un article à ce niveau avec quelqu'un comme Monsieur Ottaviano, qui a été directeur exécutif à la Banque mondiale, au FMI, pour moi qui suis juste un petit banquier à Kinshasa, c'était, on va dire, comme on dit en anglais, un stretching assignment. Ça m'a vraiment. La première question que je me suis posée, c'est mais est-ce que je suis à niveau? Et j'ai commencé à travailler sur mon brouillon. Je me disais, bon, ça va, c'est l'élève qui rend la copie au professeur. Et voir qu'il a plutôt validé ma réflexion, mes options. Pour moi, ça m'a confirmé on va dire, dans mon impression que aujourd'hui l'Afrique, en termes en termes de, comment on dit encore, de capacité, en termes de potentiel humain, commence à rattraper le gap. Et je suis plutôt réconforté dans le fait que de Kinshasa, en analysant la scène internationale, j'ai réussi à coécrire un papier validé par une autorité en la matière. Donc, pour moi, c'est plutôt réconfortant.